craignez rien pour la sécurité du numéro 1. Je le seul à connaître son identité, général. L'anonymat vaut mieux qu'une armée de gardes du corps. Les instructions sont formelles. Nous maintenons la date des opérations. Dans ce cas, allons rassurer nos convives. Restez en faction dans cette pièce. Bien, monsieur. Regardez ce banquet. Oui, numéro 5 tenait à nous donner un avant-goût des privilèges qui nous attendent. Comment allons-nous justifier son absence auprès des convives? Je ne sais pas encore. Et il n'est pas le seul à manquer à l'appel. Oh.
acheté les ruines d'une abbaye en Europe et l'a fait démonter pierre par pierre pour ensuite la remonter sur cette falaise. C'est dingue. Mais ça gagne combien, un sénateur ? Suffisamment pour nous payer à regarder ces peintures en attendant de manger les restes du banquet. Tu crois que les invités vont nous laisser quelque chose ? Il paraît qu'ils sont moins que prévu. Crois-moi, s'ils arrivent à bout des plats que j'ai aperçus en cuisine, ils vont avoir une nuit agitée. Ici, celui qui parle toujours de son bateau. Il nous a expliqué les techniques du calfatage pendant 3 heures. Où te situes maintenant ? Ah oui, je vois. Il fait partie de l'équipe extérieure ce soir. Voilà. Tu sais combien il a touché pour assurer la sécurité du juge Allenby ? Non, combien ? J'en sais rien. Je pensais que tu le connaissais mieux que moi. Pas vraiment. On ne peut jamais en placer une avec ce gars. En tout cas, il est toujours sur les meilleurs plans. Hein? Oh.
tuiles manquent à l'appel aujourd'hui. Fais-moi confiance, j'ai la liste des absents. N'intervenez pas avant mon signal. Il me faut un maximum d'informations avant de donner l'assaut. Les grandes manœuvres auront lieu demain, pendant Rouge Total. Quand le numéro 3 en donnera l'ordre, les unités SPATS, qui encadrent l'ensemble des forces armées, feront régner la loi martiale sur le pays. En moins de 24 heures, le nouveau gouvernement sera à pied d'œuvre. Réjouissons-nous dès maintenant du succès de notre entreprise, et célébrons comme il se doit l'aube d'une ère nouvelle. Messieurs, je vous invite à rejoindre le buffet. J'ai l'information principale. Quittez le sanctuaire. Je vous récupère à la sortie. Yeah.
bon, sautez sur l'échelle. Ben m'a tout raconté. Je veux vous aider à arrêter les assassins de mon frère. Les chefs de la conspiration sont vains. Tous des hommes et des femmes influents. Bien décidés à supprimer la démocratie de notre pays en y instaurant un régime totalitaire. Leur plan est redoutable. Ils vont profiter de la simulation de l'état de guerre prévu demain pour prendre le contrôle de toutes les bases stratégiques du pays. Le poste de contrôle se trouve à SSH 1. Je suis autorisé à m'y rendre à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Le numéro 1 s'y trouvera forcément. Je peux être de la partie. Ensuite, Général, nous reprendrons notre petite discussion là où nous l'avions laissée. Comptabilité, et posez-leur toutes les questions que vous pouvez sur le budget. Ça justifiera notre présence ici. Quant à nous, colonel Marshall, allons au poste de commande. La délégation du sénateur Sheridan est arrivée. Bien, monsieur le président. Le conseiller spécial du président va vous recevoir. Après vous, sénateur. Bienvenue à SSH 1, sénateur Sheridan. Bonjour, Calvin. C'est très aimable à vous de nous accueillir. J'ai un petit souci, Walter. Le colonel Marshall ne va pas pouvoir vous accompagner. Ordre express du président Galbraith. Mais je... Nos officiers sont dans un état de nervosité extrême. Le président préfère ménager leur susceptibilité. Je suis confus, colonel Marshall. Allons-y, Sheridan. Les opérations vont commencer. Trouvez un moyen d'entrer. Je vous raccompagne, mon colonel. Bonne journée, colonel. Mes respects, mon colonel. Le colonel Marshall a bien quitté les lieux. À vos ordres.
opération Rouge Total va commencer. À section D, j'écoute. Ouais, c'est Gordon. T'es au courant pour le président? Son conseiller veut faire escorter par les SPAD, c'est ça? Ouais, une unité est déjà en bas. Sérieux? Je les ai pas vu passer. Tu préviens Wax? J'ai pas vraiment envie de leur faire la causette. Ok, message reçu. Calvin Wax est demandé au poste de sécurité 1. Thank you.
Le président Galbraith est attendu dans la salle des commandes. Sheridan a déjà visité le premier étage. Il se dirige vers le niveau suivant en compagnie de ses deux collaborateurs. Collaboratrices. Impossible d'entrer en contact avec le rez-de-chaussée. Idem niveau moins 1. Pourtant, il n'y a rien d'inquiétant à signaler au poste de commande. Galbraith va bientôt lancer le feu vert. Allô ? Ici Douglas. Je n'arrive pas à joindre l'accueil non plus. Je ne tiens plus. J'aimerais bien savoir ce qui se trame là-haut. Allô, tu me reçois ? Écoute, je t'entends plus. Allô ? Sheridan a déjà visité le premier étage. Il se dirige vers le niveau suivant en compagnie de ses deux collaborateurs. Impossible d'entrer en contact avec le rez-de-chaussée. Idem niveau moins 1. Pourtant, il n'y a rien d'inquiétant à signaler au poste de commande. Galbraith va bientôt lancer le feu vert. Allô ? Ici Douglas. Je n'arrive pas à joindre l'accueil non plus. Je tiens plus. J'aimerais bien savoir ce qui se trame là-haut. Allô, tu me reçois ? Merde.
rien faire, Sheridan à SSH-1. Pleine campagne électorale. C'est de la provocation. Cache-toi. Je vous rappelle qu'il fait partie de la commission du budget au Congrès. À ce titre, il a le droit de vérifier la manière dont nous dépensons l'argent du contribuable. Il a bien choisi son jour. Mais dites-moi, Sabine, où se trouvent mes gardes du corps? Justement, monsieur. Un instant, Calvin. Passez-moi donc un peu de monnaie. Monsieur le Président, les SPADs ont été choisis pour assurer votre protection pendant toute la durée de Rouge Total. Cette bande de têtes brûlées? Pas une seule machine qui marche dans cette base. Mais... Monsieur le Président... Que de la racaille ramassée par le colonel McCall. Monsieur le Président... Mais... Si vous pensez que ce sont les meilleurs... Je vous fais confiance, Calvin.